La suivante est aussi de Duke Ellington. Et c'est ça le deuxième exemple, en fait, parce que vous avez entendu les latines ne patinent pas, that may happen down. J'ai traduit dans ce sens, il y avait la syllabe ou, donc, in a sentimental mood, qui dure longtemps, donc je voulais avoir un ou à la même place. J'ai traduit par, ben vous allez voir. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom. Sentimental, voilà. Aimerais ce